Il faut bien vous dire que ce ne sera pas toujours aussi simple, mais on remarque que les 13 premières poutres font toutes 4 cm de large. Donc, prenez votre listing et notez les mesures nécessaires. Les 13 premières poutres mesurent 4 cm de large. Attention, la poutre numéro 14 et la poutre numéro 15 sont différentes. La poutre numéro 14 mesure 7 cm. Tandis que la poutre numéro 15 mesure 8 cm. C'est le moment de faire un petit rappel. Lorsque l'on regarde la largeur de la poutre numéro 14, on sait qu'elle mesure 7 cm et donc son encoche mesurera 3,5 cm. Tout comme pour la poutre numéro 15, sa largeur mesurera 8 cm et son encoche mesurera 4 cm. Revenons-en à notre listing. On constate qu'il nous manque une donnée pour pouvoir découper ces poutres. C'est la longueur de la poutre qui correspond à la profondeur que vous voulez donner à votre meuble. Choisissez une profondeur, dans ce cas précis, c'est 20 cm. Donc, les poutres de 1 à 13 mesureront 4 cm sur 20 cm. La poutre numéro 14, 7 cm sur 20 cm de long. Et la poutre numéro 15, 8 cm sur 20 cm de long.